Hello, et oui, c'est jeudi, prépa physique. On s'inquiète pas, il y a toujours un petit jour de décalage avec les vidéos que je fais, vu que je les fais le soir généralement, et le temps que ça se télécharge ou que ça rentre sur l'ordi. Ça arrive le lendemain généralement ou le soir dans la nuit. Donc, pas de panique. On fait ça en plein air, donc comme les vidéos de hier et d'avant-hier. C'est toujours plus agréable de s'entraîner à l'air libre, pour en profiter un temps qu'il fait pas trop froid ou qu'il pleut pas trop. Vous essayez de me trouver un petit carton, une corde à sauter. On est sur cette vidéo sur quelque chose de, voilà, débutant, voilà, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement depuis 6 mois devrait réussir à faire ce qu'on va faire là sans trop de problèmes. Sinon j'ai une vidéo plus facile que j'ai mis en ligne d'ici que je vais mettre en ligne pardon d'ici quelques minutes. Allez, c'est parti, corde à sauter. Hop là, j'ai mon petit carton pour pas écraser les fleurs et pas que ça me gêne. 2 minutes de corde à sauter tranquillement. Selon le niveau de chacun, on peut venir accélérer un peu, monter un petit peu les genoux, croiser. Hop, on peut venir le faire aussi. Lorsque j'ai croisé, hop là, une jambe. Hop. Et voilà, 2 minutes à la cool. On enchaîne avec des pompes, 10 pompes, tranquillement. Hop, on se positionne, on inspire en descendant, on expire en remontant, le dos est droit. Quand on a fait ces 10 pompes, gainage en planche, pendant 45 secondes, le dos droit, on monte un petit peu les fesses pour ne pas creuser le dos, la tête est vers le bas. Quand on a fait ces 45 secondes, gainage latéral, un pied, une jambe au sol, on retient 45 secondes, vraiment c'est dur, on écarte un peu, et on fait évidemment sur 45 autres secondes les deux côtés. Impeccable. Allez, abdos. Quelques crunchs, facile. Hop là. On se positionne, les doigts sont sur les tempes. Le dos reste bien en contact avec le sol, on expire en poussant. Trente comme ça. Pour les obliques, on pose un pied sur le genou. La main au niveau de la tête, le coude va toucher l'extérieur du genou. Fois l'autre côté, et en 30 fois quelques flexions et demi squat 10. On inspire en descendant, on expire en remontant doucement. Les jambes sont toujours fléchies, le dos est droit. On en a fait 10, fente avant, on écarte les jambes légèrement, on s'est tiré au parallèle, au préalable pardon, un petit peu avant, on descend, on tend le bras juste pour s'équilibrer, on frôle le sol tranquillement. Et de côté, 10 fois. On n'hésite pas à bien écarter les jambes sur la largeur pour être à l'aise. Si on est sur une ligne, on manque de tomber. Donc on écarte suffisamment, le dos droit encore une fois. On a fait donc ces 30 flexions, 10 demi-squats, 10 fentes gauche, 10 fentes droite. On peut récupérer un petit peu, 1 minute, 2 minutes, selon votre condition physique. Et on fait ça minimum 3 fois. Ça vous fait un entraînement, voilà, d'un, on va dire 20 minutes à peu près. Pensez bien à bien vous échauffer au début, les articulations, avant de venir faire ça. Et n'hésitez pas à adapter les exercices, si jamais c'était trop facile ou au contraire trop dur. À vous!